Dans le domaine des violences conjugales, en Sarthe, le nombre de plaintes en gendarmerie qui donnent lieu à une procédure a baissé très légèrement en 2011. Ce qui nous amène à un chiffre de 386 victimes pour un chiffre de 392 victimes en 2010. Les chiffres sont loin de traduire la réalité du terrain. On estime qu'en Sarthe, comme en France, moins d'une femme sur 10 porte plainte. Tous les deux jours et demi, il y a un dépôt de plainte. 1000 appels de janvier à octobre en 10 mois, c'est quand même énorme sur la zone gendarmerie. Pour les victimes, à la difficulté de parler s'ajoute la peur des représailles. Un grand nombre d'entre elles retirent leur plainte sous 24 heures. Reste que la loi de juillet 2010 fera peut-être évoluer la situation, notamment en termes de prévention. Une ordonnance de protection pourra être prise par le juge aux affaires familiales dès lors qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour dire que la requérante est en situation de danger, qu'un danger peut survenir. En clair, une femme et ses enfants peuvent aujourd'hui être protégés du conjoint violent, même s'il n'est pas encore passé à l'acte. À ce jour, seules 3 requêtes d'ordonnance de protection ont été déposées au parquet du Mans.